Bonjour à tous, on se retrouve pour faire le point de ces 4 derniers jours. Tout de suite, le récap. Et merci de nous retrouver ici dans ce programme tout aussi explosif dénommé Interville, n'est-ce pas ma délicieuse Mariam Koulibaly. Bonsoir Yves Mar et bonsoir à ce chaleureux public. Chers téléspectateurs, bonsoir. Et merci d'écrire avec nous cet autre paragraphe d'Interville 2014 sur RTI1. Tire leur ferveur. Je vais vous demander de recevoir ici et maintenant l'équipe d'Adjamé qui est avec nous pour cette édition 2014 d'Interville. Allez, bienvenue. Port-Boué. C'est la seconde équipe que nous allons recevoir, l'équipe de Port-Boué. L'équipe de Port-Boué. Le décor est ainsi planté. On va sans plus tarder passer au premier jeu parce qu'Interville, c'est avant tout de l'action. L'escalade infernale. Sur la corde. C'est bientôt fini. Voilà. Et il faut arriver par-dessus le toboggan et faire flotter le drapeau de l'équipe. Terminé! Du soleil à 7 heures de la nuit, il n'y a que la magie d'Interville pour le faire. Le bain de soleil. Voilà. Il y a une seconde bienvenue. Oh là là. Et c'est bon pour Port-Boué. Il a bénéficié de beaucoup de chance, on peut le dire. Oh, ouais, terminé. Port-Boué vient de remporter le bain de soleil et Port-Boué remporte 2 points. 2 points pour Port-Boué. Adjam Tala, Rockers, vous êtes là ou pas? Mais Adjam Tala est là, puis Port-Boué est passé. Mais attends, ça continue. Je te propose de suivre le prochain jeu. Attention aux lions, parce que les gens d'Adjam Tala, ce sont des lions. Ils vont vous dévorer. Go! Il y en a une qui a été rattrapée par le lion. Bah, du coup, et déjà les candidates de Port-Boué se retrouvent à deux. Il faut qu'elles y aillent. Go. L'équipe d'Adjamé est en place. On se dépêche. On court. On part maintenant. Elle se croit sur RTL. En plus, elle a un joli pagne, un joli boubou. Voilà, attention, elle ne pas se faire attraper. Heureusement pour elle. On va compter ensemble le nombre de calebasses obtenues par Adjamé. Alors, une calebasse. 2 calebasses. Adjamé a obtenu 2 calebasses. Port-Boué en a obtenu 2. Alors, match nul pour nos 2 équipes. 1 point pour chaque équipe. Parce que dans le nouveau monde, vous avez besoin de parler à vos proches de diverses manières grâce au forfait jour. En fonction de vos besoins, avec le forfait moins intense. Et selon les circonstances, avec le forfait moins zen. MTN vous offre MTN Smart avec ses forfaits tout compris. Communiquez comme vous le sentez et en toute sérénité. MTN, everywhere you go. Le principe, Yves et Mar, on le rappelle, oui. Lorsqu'il y a égalité entre les 2 équipes, il y a partage de points, donc 2 oui. Divisé par 2, ça fait 1 point de chaque un côté. Voilà. Je te concède ça cette fois-ci, je te donne 1 point. Bah, du coup, Adjamé marque 3 points. Prends-le, c'est gratuit. Et Port-Boué aura également 3 points. Mariam. Ton ventre qui glisse, tu le connais, non? Oui, j'ai les plaquettes de chocolat, donc ça glisse naturellement. Le ventre glisse. C'est maintenant. Dans cette épreuve, le ventre glisse. Go! Seconde épreuve. Oh là là. Go! Cette épreuve n'a pas l'air de réussir à l'équipe. Ah non. Alors Port-Boué remporte les 2 points du ventre glisse. Score provisoire 5 pour Port-Boué, 3 pour Adjamé. Moi je félicite mes poulets. De toutes les façons, il y a la mer chez nous. On a la lagune, on a les rivières, on a tous les fleuves. De toutes les façons, ils ne pouvaient pas se permettre de gagner ça. En tout cas, cool. Come on.
Comment pas la peine, hein. Vraiment. On a un peu trébuché, il n'y a pas de soucis. On est là, on est passé en taquillon, ça va aller. Il n'y a pas de tristesse. Pas la tristesse. Mais elle est triste. Non. On a trébuché, mais c'est que non, ça va aller. Ah ouais. Le dunk. Oui. Le dunk. Oui. Bah dunkons alors. Go. Et faire son lancer juste avant le plongeon. Tout en coulissant. Il vient de donner le top pour l'équipe de Portbou. Il va essayer de réussir le maximum de lancers. Oui. Ça commence à aller réussi. 1, 2 et 3. 3 paniers réussis pour Portbou contre 4 pour Adjamé. Alors Adjamé remporte les 2 points du dunk. Avec le foot en délire. C'est parti. Je pense qu'il y a une technique qui essaie de marcher. Le mec a la traîne. Pas grand pour lui. Difficile de maintenir l'équilibre. Mais il tient. Oh là là. Il saute pas dans la bonne direction. Tout à fait. Il ne saute pas dans la bonne direction. Il réessaie. Il continue d'essayer, mais non. Il va y arriver. Il est fatigué. La fatigue se fait sentir. Oh. Et les premiers remportés, je pense. Coup de tête réussi. Alors, l'ultime épreuve de cette manche d'Interville, le mur des champions. Et c'est l'instant tout simplement des champions. Mur des champions, pourquoi mur des champions? C'est sur ce mur que nous saurons qui d'Adjamé ou de Portbou remporte Interville ce soir. Alors, Adjamé comptabilise 9 points, raison pour laquelle ils seront directement positionnés au niveau du chiffre 9. Et Portbou totalise 5 points, raison pour laquelle Portbou sera positionné au niveau d'ici. Nos champions devront atteindre le sommet à 3 reprises à l'aide de la force des bras. Ils ne devront pas utiliser leurs jambes pour pouvoir se propulser pour atteindre le sommet. Nous ne ferons pas beaucoup de commentaires. Vous allez les voir tout de suite. 6 athlètes vont nous rejoindre maintenant sur le mur des champions. Le mur des champions. À jamais. On ne se sert pas les jambes, on continue. On continue. Une très belle avance. Trop belle avance. On continue. Tandis que le candidat de Portbou peine véritablement. Oui. Il est même encore au bout de son épreuve. Au niveau 2. Voilà. Pendant que le second candidat est déjà en train de repartir du côté d'Adjamé. Il y arrive tant bien que mal. Ah là là. Ça craint. Attention. Il décide d'abandonner au suivant. Vas-y. Adjamé qui abandonne. Il a dû se faire mal. Okay. Une petite crampe. C'est bien. Voilà. Terminé. Quoi? J'ai une question pour toi. Ouais. La tête est trop grande. À ton avis, c'est qui c'est qui va gagner? Non, mais en fait, je pensais que. Enfin, je croyais qu'on pouvait gagner, quoi. Mais j'ai su un peu dubitatif parce que. Tu as vu ce qui s'est passé au mur, là? À ton avis, qui gagne? Mais mon équipe, bien sûr, non, à jamais. C'est pas possible. T'as pas vu qu'ils ont un qui a lâché le prise, là? Non, t'as pas vu qu'il y a un aussi de Portbou qui a lâché le prise? C'est bon, moi j'ai quelqu'un qui peut répondre. Mais non, c'est à jamais qui gagne. Non, c'est bon, c'est pas la peine. C'est qui? Non, t'as pas la bonne réponse. C'est bon, c'est pas la peine. Non. Bah, tu m'étonnes. Juge arbitre. Nous allons savoir maintenant qui de Adjamé ou Portbou remporte Interville ce soir. Alors, sur le mur de champions, nous avions 3 champions par équipe. Oui. Les 2 premiers champions se sont lancés. Ils ont atteint le sommet. Ils se sont laissés glisser. Les seconds champions se sont lancés. Le champion d'Adjamé a abandonné suite à une blessure. Il a cédé sa place
au troisième champion. Tout à fait. Il s'est lancé pendant que le second champion de Port-Boué s'est lancé. Le second champion de Port-Boué a atteint le sommet et s'est laissé glisser. Le second champion d'Adjamé n'a pas atteint le sommet et s'est laissé glisser. Alors, la victoire est attribuée à Port-Boué. Non, ça me fait mal. Ben voilà. On a perdu. Adjamé a perdu. Mais ça reste une compétition. Ça reste un jeu. Ça reste Interville, tout simplement. Adjamé, Mariam sera d'accord avec moi. Adjamé n'aura pas démérité ce soir. Adjamé n'a pas démérité, non. Tu l'as dit. Les amis, on applaudit pour Adjamé, oui, s'il vous plaît. Très fort, s'il vous plaît. Oui, on bravo, les encourage. Bravo. Et avec... Ils y ont mis du cœur. Bien sûr. Ils y ont mis du cœur. Ils y ont mis des mais muscles il fallait aussi. Un gagnant. Oui. Et aujourd'hui, c'était pas Adjamé, c'était pas Boué. Interville, c'est la fête du sport dans la convivialité. Le capitaine d'Adjamé voulait une petite précision qu'on va apporter maintenant. Il a demandé pourquoi au score il menait 9 à 5 et au niveau du mur des champions, ils perdent. Nous voulons leur rappeler que leurs 9 points là avaient permis de prendre le départ au niveau 9 hein. Et Port-Boué a pris le départ au niveau 5. Donc pendant tout le parcours, les résultats qu'on obtient, les points, leur permettent de prendre la position, l'avantage au niveau du mur des champions. On est très heureux. On est fort. Mais l'adversaire n'a pas démérité aussi. Ce qui est sûr, c'est le jeu. Il a fallu avoir un meilleur. Le meilleur, c'est nous. On a gagné. On est content. On dit merci au Seigneur. Grâce à lui, merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, une victoire, ça se fête, non, Arsenal DJ? Merci à tous, merci à toutes. Mariam, merci à toi. Merci. Ben Salif. Dans l'équipe d'Adjamé, place était à la désolation. S'il vous plaît, un mois après la victoire de Port-Boué. On n'a pas vraiment bien compris. Mais là, il y a un t-shirt maintenant. Parce que nous, on s'est dit qu'on ne 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 s'